Dans un communiqué publié ce lundi 20 juillet, Orange et Bharti Airtel International, filiale hollandaise du groupe de télécom indien en charge de ses activités en Afrique, indiquent être entrés en négociation exclusive concernant quatre filiales Airtel sur le continent, au Burkina Faso, au Congo-Brazzaville, en Sierra Leone et au Tchad. Dans le court document qu'ils publient, les deux opérateurs tiennent à préciser que ces discussions n'aboutiront pas nécessairement à un accord ferme. Orange comptait 97 millions d'abonnés mobiles dans la zone Afrique et Moyen-Orient en fin mai 2014. Le groupe français est présent dans 13 pays d'Afrique subsaharienne, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal et à Madagascar. Airtel est présent dans 17 pays africains, notamment le Ghana, le Kenya, le Nigeria et le Gabon. La compagnie pétrolière publique angolaise Sonangol a demandé lundi à 37 entreprises présélectionnées de soumettre des offres pour 10 blocs pétroliers terrestres. L'an dernier, Sonangol, qui est également le régulateur du secteur pétrolier dans le pays, a indiqué que ces blocs disposaient en moyenne de 700 000 barils de pétrole chacun, rapporte Reuters. Les compagnies sollicitées ont jusqu'à 18 septembre pour présenter leurs offres. Selon Reuters, parmi les compagnies pétrolières invitées à présenter leurs offres figurent des géants mondiaux tels que l'américain Chevron et l'italien Eni, mais aussi le portugais Galp Energia, détenu à un tiers par l'amsterdamois Amorim Energy, dont l'un des administrateurs est l'homme d'affaires congolais Cindy Kadokolo, gendre du président angolais Eduardo dos Santos et les négociants suisses Glencore, qui s'efforce depuis plusieurs années de remonter les filières pétrolières et minières. Le 20 juillet, Tulloy Hall a annoncé avoir suspendu sa production de gaz issue du jubilé depuis le 3 juillet, ce qui a entraîné une restriction de la production de pétrole à seulement 65 000 barils par jour. En cause, des problèmes techniques de compression du gaz sur la barge de production Kwame Nkrumah qui exploite un jubilé. Le groupe britannique s'attend à une reprise à plein régime de sa production de gaz et de pétrole à la mi-août. Découvert en 2007 par Tulloy Hall, le gisement ghanéen jubilé, doté de réserves estimées à 1,2 milliard de barils de brut, avait entraîné une véritable ruée vers l'or noir des compagnies pétrolières vers l'Afrique de l'Ouest. 5 ans plus tard, et dans une conjoncture pétrolière drastiquement différente, la compagnie pétrolière britannique est bien loin du compte. Alors que pendant l'année 2014, le groupe atteignait difficilement 103 000 barils par jour, issu du gisement, le groupe pétrolier vient de revoir à nouveau sa copie.